13e station. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est descendu de la croix. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre très sainte croix. Avec l'autorisation de Pilate, les amis de Jésus, ceux qui sont restés fidèles au pied de la croix, vont maintenant, avec beaucoup de délicatesse, détacher Jésus de la croix. On dépose Jésus dans les bras de Marie. C'est elle qui fermera ses plaies. Seule quelques instants avec son Fils unique dans les bras, elle sent le dernier glaive de douleur transpercer son cœur de mère. À toutes les veuves, à toutes les mères éplorées, à tous les hommes qui souffrent de rester seuls, à toutes les âmes qui gémissent de leur isolement, Marie se présente au pied de la croix, avec le cadavre de son Fils sur les genoux. Elle leur demande d'accepter leurs souffrances et de les unir à celles de son Fils, pour les offrir ensuite, en union avec elle, à notre Père des cieux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta sainte volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies et les douleurs du cœur immaculé de Marie. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre très sainte croix. Nous mourrons, nous aussi, et notre corps sera mis en terre. Ici-bas, tout passe, tout est vanité. Pensons-y dès maintenant. Mais n'oublions pas que si nous acceptons de souffrir avec et pour le Christ, il nous associera un jour à la gloire de sa résurrection. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta sainte volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies et les douleurs du cœur immaculé de Marie. Prière finale. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ,
présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen.